Salut, moi c'est Ludivine. Voici mon chalet, c'est mon petit coin de réconfort l'hiver. Allez, Zouzou. Ben, c'est ça, ici c'est comme le... la cour où est-ce que tout se passe. On va souvent dans le sauna qui est juste là. Autant l'été que l'hiver, c'est vraiment le fun. Ben ici, c'est le chalet de ma famille. Mes parents l'ont acheté en 2012, en fait, pour recevoir du monde. C'est vraiment pour faire des fins de semaine avec plein d'amis, se faire des bonnes bouffes, jouer à des jeux de société. Mon hiver, pour l'instant, c'est assez calme. Je recommence sur une grosse lancée là, à partir de avril. Mais honnêtement, je vais profiter un peu de cet hiver pour moi, pour justement venir au chalet, me reposer. Figueuse a commencé à être diffusée en janvier 2018. C'est là que tout a commencé. Ma vie a changé, en fait. On va voir si ça pogne. Toute cette attention-là, je pense que c'est un peu love and hate. C'est beau, c'est magnifique, parce qu'honnêtement, le Québec m'a comme un peu adoptée. Merveilleux sous-sol. On fait aussi beaucoup de soirées films au chalet, mais ce qui est drôle, c'est qu'on a encore pas mal de cassettes puis des DVD. Histoire sans fin. Mais le meilleur truc chaud du chalet, c'est la Nintendo NES ici. C'est Mario qui est dedans. 4 piastres. Moi, je m'en fous d'être connue dans la vie. Là. Je veux dire, c'est, je pense pas pour ça qu'on fait ce métier-là, c'est pour être reconnue. Il y a vraiment une grosse différence. C'est pour être reconnue pour ce que tu fais, pour toucher les gens par ton métier, c'est la plus belle chose. Ça, ça marcherait. Je suis moins une fille d'hiver de ville, mais justement, aller en campagne ou aller venir au chalet, ça me fait vraiment aimer l'hiver. Je trouve que c'est une saison magnifique. Mais je recherche vraiment beaucoup les sources de chaleur. En fait, le sentiment de rentrer d'après être allé dehors, donc d'avoir les joues froides, d'avoir un peu froid, puis justement de se réchauffer à l'aide d'un feu ou à l'aide de chocolat chaud, je trouve que ça nous détend, ça fait du bien. Puis être bien habillé aussi, ça, c'est sûr, ça change tout. Là. Je sais que la Syrie a changé la vie de certaines personnes. T'sais, des fois, moi, que des mamans m'arrêtent dans la rue et puis me disent « Merci, t'as sauvé la vie de ma fille. » Sans Fanny puis sans la Syrie, je pense pas que j'aurai encore de fille aujourd'hui. C'est fou de se faire dire ça. C'est les plus beaux mots qu'on m'ait dit, je pense. C'est hyper touchant. Puis j'espère pouvoir être reconnue pour d'autres rôles comme ça au cours de ma carrière. D'autres rôles qui passent des messages.